Salut tout le monde, c'est Mafio. Et cette fois-ci, mes amis, on se retrouve pour un nouveau gameplay, on va dire un petit peu plus spécial que d'habitude, parce qu'il va être très, 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 très tendu. Vous allez voir pourquoi, de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu. Mais alors, j'avais un petit souci avec CodeQG l'autre fois pour l'upload d'un gameplay. Mais donc, normalement, je dis bien normalement, cette fois-ci, il devrait être uploadé sur CodeQG. Donc, je précise un petit peu le thème de cette vidéo, c'est Mafiosolito en mode boucher, ça c'est un petit peu le titre de ma série. Et donc en clair c'est quoi? C'est Mafiosolito qui joue au Space 12 hein, et qui essaie de faire un maximum de frags, tout en jouant un petit peu l'objectif mais pas trop pour essayer de faire un ratio le plus correct possible. Mais bien sûr vous allez voir que jouer l'objectif pour moi c'était pas d'abord le capturer mais surtout le défendre. De toute façon vous verrez ça dans le gameplay. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce gameplay? Alors ce gameplay il a quoi d'en particulier? C'est que j'ai essayé de répondre à, on va dire, l'attente de mes abonnés. C'est de dépasser les 100 frags en une partie, ou au moins d'atteindre les 100 frags en une partie, en domination ou en autre mode de jeu. Mais j'ai décidé de faire le mode guerre terrestre, et plus précisément en domination dans Skidrow. Pourquoi? Parce que je trouve que la démolition peut vraiment dépasser les 100 frags aisément. L'autre fois je l'ai fait, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt en démolition. J'ai fait toujours mes gameplays en domination, donc pourquoi changer? Je vois pas trop l'intérêt. Et donc le gameplay, on va dire qu'il commence assez fort dès le début, malgré que je me ramasse un hitmarker qui, on va dire, qui entraîne ma perte. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, petite touche à dire dans ce gameplay, c'est que je vais me faire tuer presque systématiquement par la même personne. Et il s'appelle Emric du 76. Et vous allez voir qu'il va me rendre fou, sincèrement. Il m'a déjà tué, je pense, une fois déjà. Et de plus, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que les gens en face jouent avec Marathon pour les G-Commando. Ou d'autres classes, mais souvent avec Commando, couteau tactique. Et vous allez voir que ça va me jouer beaucoup de tours durant le gameplay. C'était assez stressant vers la fin du gameplay. Mais de toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure que la partie avance. De toute façon, vous verrez. Voilà, je vais pas en dire plus. Mais donc, le grand défi, dépasser les 100 frags avec le Space 12. Pour moi, le défi, c'était en domination. Alors, j'envoie de nouveau un second Predator. Et je vais essayer de débloquer un Harrier. Parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé quoi comme killstreak? Le missile Predator, les Harrier et le mitrailleur hélico, comme on a à mon habitude. Hein, pour ceux qui me connaissent, c'est souvent comme ça que je joue. Hein. À part des fois je prends la C-130 lorsque mes abonnés me le demandent, donc j'essaie vraiment d'être à l'écoute de mes abonnés. Et donc voilà, j'étais à 6 d'affilée, je me prends un Predator. Mais donc voilà, c'est pas grave. Mafio, on continue, on va pas cesser à battre, on va essayer franchement de redébloquer un Predator pour essayer peut-être de débloquer peut-être un mitrailleur hélico. Et donc mon Space 12 adoré. Je vais vous dire un petit peu ma classe pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est Marathon, force de peau, visée solide, avec la Semtex et les grenades paralysantes. Pourquoi je prends visée solide et pas ninja? Attention, je précise un petit peu, parce que je suis un flemmard et que j'ai la flemme de viser. Et de plus, c'est qui va me tuer? Emric du 76. Donc voilà, c'est reparti, c'est lui qui va de nouveau tuer. Et vous inquiétez pas, ça va pas être la dernière fois. Ça, je peux vous rassurer. Et donc vous avez remarqué que mes alliés et moi avons capturé le point B et le point C afin de bloquer les ennemis au point A. Et aussi, petit truc à dire, c'est que regardez, j'ai deux entrées disponibles. Celle-ci où je suis en train de tirer et l'autre par la porte d'entrée. Et c'est qui m'a tué, je précise encore au passage, Emric du 76. Mais voilà, c'est un endroit franchement que j'apprécie énormément parce que ça me, on va dire, ça me donne deux entrées et je peux bloquer les ennemis par ces deux entrées. Et donc là, regardez, on voit les points rouges sur la carte à gauche, je me dis, ah, les ennemis, ils voient un colis stratégique, allez, ils sont tous dessus, bah, moi aussi, je viens sur vous, et je vous élimine encore assez facilement, et donc ça me monte déjà dans une série de 4 d'affilée. Alors, pardon, 3 d'affilée, je viens de remarquer, et maintenant je vais débloquer le Predator, voilà, excusez-moi. Et donc, un petit Predator, et on va faire, on va dire, Monsieur Predator, on m'a déjà surnommé comme ça dans mes gameplays, et voilà, qu'est-ce que ça fait? 5 plus 6, ça fait 11. Donc voilà, 6 kills en un prédateur, j'étais tout content. Je me suis dit, est-ce que j'arrête mon HDPVR pour regarder le clip ou non? Puis je me suis dit, bon, allez Mafio, t'es bien parti, continue sur cette lancée, on verra bien plus tard si c'est un bon gameplay ou non. Allez, je me suis dit, allez, Mafio, continue. Et donc, pourquoi je n'envoie pas mon mitrailleur hélico? Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas Modern Warfare 2, hein, je précise un petit peu, les Harriers qui sont dans le ciel, qu'on peut voir, on va dire, sous forme de triangle, hein. Voilà, on voit un truc en rouge dans le ciel.
Et ben il peut détruire tout hélico à part les arriers. Donc il peut détruire l'hélicoptère d'attaque, le mitrailleur hélico et un pavlo. Donc je précise un petit peu pour ceux qui connaissaient pas Modern Warfare 2. Et donc regardez, j'attends. J'entends dans mon Sherkun que le Sherkun, je précise un petit peu, c'est un casque pour écouter le son du gameplay hein, lorsque vous jouez. Et donc là j'ai vu que l'arrière allait partir, donc je me suis dit, allez mafio, on envoie le petit mitrailleur hélico. Et d'habitude les mitrailleurs hélico dans Skid Row ne font presque aucun kill. Mais bon, pour une fois, j'ai eu un peu de chance, ça m'a un petit peu réussi, on va dire ça comme ça. À part à des moments où les ennemis vont être vraiment confinés dans les bâtiments, donc je vais pas avoir de chance à des moments pour mes kill streaks, parce que bah, voilà, je pouvais pas pouvoir faire beaucoup de kills avec. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, je me suis plutôt bien débrouillé avec le mitrailleur hélico. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pourquoi aussi je prends la MP5A en première arme? Je vais quand même préciser un petit peu, parce que c'est une arme qui, je trouve qu'il y a une très haute cadence de tir. Et comme j'ai visé solide, je ne dois pas me commencer, on va dire, excusez-moi l'expression, à me péter le cul à viser. Je tire en oscope et je peux éliminer les ennemis très facilement, donc c'est vraiment nickel. Alors là, j'ai envoyé mon mitrailleur hélico, je suis tout content, on va aller repartir dans une petite série, pourquoi pas. Et je fais au passage 52 kills, 6 morts. Et donc, au moment où je suis à la moitié du gameplay, nous sommes à 120 points en domination. Donc ça va être très 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 tendu pour les 100 kills. Surtout que quand on est près d'objectif d'habitude, on est vraiment en train de stresser. Alors là, au petit passage, je n'ai pas compris. Il n'a pas pris le lance-grenade. Et vous allez voir que maintenant, à partir de maintenant, les couteaux vont commencer à me saouler. Je vais me prendre que des coups de couteau presque durant la fin du gameplay. J'en suis déjà pris un. Au pire, on peut commencer à peut-être compter ensemble pour rigoler, on verra bien. Vous allez voir que quand même, ça va être assez impressionnant vers la fin du gameplay, le nombre de couteaux que je vais me prendre. Alors, mon petit MRIC-76 avec son martyr a failli me tuer avec son A12. Mais bon, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Et je vais mettre un endroit aussi que j'affectionne particulièrement. C'est à côté de la fenêtre. Ça peut être pris pour de la camp, hein, sincèrement, je peux comprendre. Mais moi, je dis souvent, prendre les ennemis de haut plutôt que de les prendre d'en dessous. Parce que souvent, les ennemis ont beaucoup plus dur à viser vers le haut que vers le bas. C'est un truc que j'ai remarqué lorsque je joue dans Call of Duty. Et on va dire que ça marche plutôt bien. Alors, je renvoie au nouveau Predator, on renvoie la sauce. Hop là, on redébloque un harrier. Et tout à l'heure, j'ai fait 600 en Predator. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi pas un triple kill. Oh, harrier, ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc là, 7 plus 3, ça fait 10. Il m'en manque un pour le mitrailleur hélico. Alors, Mafio, moi, d'habitude, je joue dans le tas. Je fonce dans le tas. Je me préoccupe pas. Oh, le fail, excusez-moi. Je m'occupe pas, on va dire, de mes kill streak. Mais là, franchement, à 1, c'est rageant. Au passage, je foire une triple en une balle. Au spazouz. C'est vraiment dégueulasse parce que je me suis dit, allez, une petite triple en une balle, ça peut être sympa. Mais pourquoi pas en rater deux en une balle, hein. L'autre, il est parti vers la gauche. On va le revoir là maintenant, regardez. Il s'était pris une balle tout à l'heure. Et je redébloque de nouveau un missile Predator. Et c'est reparti pour la sauce. On redébloque de nouveau un arrière. On va renvoyer de nouveau l'arrière comme d'habitude. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, on va dire que j'ai pas fait attention à mes arrières. J'ai voulu être trop gourmand comme à mon habitude, pardon. Et je me suis fait tuer tout bêtement. Franchement, ça c'est vraiment con de ma part. J'aurais pu rester dans le coin et attendre que l'ennemi passe. Et tout simplement, rester tranquille et débloquer encore un troisième mitrailleur hélico. Mais bon, voilà, deux mitrailleurs hélico dans la partie. Ça, on va dire c'est toujours plaisant. Hein. Et on est reparti, pourquoi pas, dans une petite aventure avec le mitrailleur hélico. Et là, on va dire que beaucoup de kills vont se jouer au niveau du point C. Parce que vous allez voir que les ennemis ont le point C, hein, comme on peut le constater, et le point B. Mais je vais avoir un petit peu de chance, c'est que les ennemis, à un moment, vont réapparaître presque tous à C. Et que je vais pouvoir les allumer facilement. Regardez, triple élimination à C. Nickel. Ils sont au point B, je peux pas les toucher. Et là, par contre, la chance, je sais pas combien j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 je pense, en clair une élimination multiple. Et regardez, ils vont réapparaître de nouveau assez. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment de la chance sur ce coup là. Et voilà, j'ai reçu encore en tuer un ou deux. Et donc regardez un petit peu, je suis à 87 kills pour 9 morts. Et on est qu'à 168 points en domination. Alors là je me dis, Mafio, tranquille, t'es 100 kills, tu vas les avoir. Et là mon cauchemar avec les couteaux va commencer à partir vraiment de maintenant. Vous allez voir, ça va être terrible, ça va être vraiment hallucinant. Je pense que c'est la première fois
dans ma vie de Call of que j'ai eu, on va dire, autant de couteaux en très peu de temps. Sincèrement, ça va être assez hallucinant. Pourquoi pas commencer, on va dire, maintenant avec un petit commando tout de suite à regarder un petit peu ce qu'il va me foutre maintenant par l'arrière. Regardez, on va dire que c'était assez puissant, comme je dirais. Voilà, commando. Alors là, je me dis, bon, Mafio, t'as 91 frags. On est qu'à 176 points. Tranquille, Mafio. Tu gères. Souvent, j'utilise une expression. Ne te chie pas dessus, Mafio. C'est une expression que j'utilise souvent. Et pourquoi pas un troisième commando sur la partie. Pourquoi pas. En troisième, bon, ça, 3, c'est pas grand-chose, on va dire. Hein. Mais 3, c'est... Voilà, 3, c'est rien du tout. Pourquoi pas un quatrième. En plus, je foire toutes mes Semtex. Je fais que des... Il te marquera avec. Je n'ai vraiment pas de chance. Regardez, des morphines, en plus. Donc voilà, le stress vraiment était à son comble, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas encore en commando? Voilà. Et 93 frags, je vois que le score en domination commence à monter. Je dis, Mafio, Mafio, ne stresse pas. Le stress ne peut que t'apporter du mal. Essaie de rester concentré au maximum. C'est souvent ce que je me dis, mais c'est souvent ce qui se passe pas. Et je me reprends encore en commando. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'allié a la bonne idée de me bloquer pour que je me reprenne encore en commando. Par ce cher Emric que je vous avais cité dans la vidéo. Voilà. Et donc je me dis, bon, les mafios, t'y es bientôt? Non, je me fais encore enchaîner. Alors là, vous allez voir que je fais souvent select pour savoir à combien de frags je suis. Je me dis, mafio, mafio, non, mafio, ça peut pas se passer. Esquive, 97 frags, mafio, on peut le faire. 98, yes, on peut le faire, couteau. Allez, reste combien? 194 points. Mafio, 2 frags en 6 points de domination, tu peux le faire. C'est possible, c'est réalisable. Et les alliés ont capturé un deuxième objectif. C'est pour ça que j'ai pas joué l'objectif là, parce qu'il me restait plus beaucoup. Et le centième frag au fusil à pompe. Et voilà, donc j'ai vraiment eu chaud parce que la partie va s'achever maintenant. Et donc j'ai fait 100 kills, 9 assistances pour 16 morts. Bon, franchement, j'aurais pu faire un meilleur gameplay, mais on va dire que je suis mort beaucoup de fois à la fin par ces fameux coups de couteau que je me suis pris, comme je vous avais dit. Et donc voilà, Emric, il a fait 34 kills, à mon avis, il a dû en faire 16 sur moi. Mais donc voilà. En tout cas, j'espère que ce gameplay vous aura diverti et je vous dis à la prochaine.